wants more than he can handle. Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va cuisiner ensemble. C'est pas hyper flagrant là maintenant tout de suite, mais je voulais débuter cette petite vidéo par ce plan, parce que je suis devant mon ordi, je viens de recevoir un petit mail de la part d'Amandine. C'est votre jour de chance, je vous ai envoyé une box HelloFresh gratuite. Vous l'avez suivi, je pense, dans sa dernière vidéo où justement elle testait ce concept, qui est clairement le concurrent premier de Kitok. Le principe est le même en tout cas, vous recevez un panier à cuisiner, je crois qu'ils appellent ça comme ça, donc des recettes que vous avez sélectionnées avec tous les ingrédients, mais c'est vous qui cuisinez à la maison. Donc on aime toutes les deux beaucoup Kitok, et elle avait décidé de comparer un petit peu les deux trucs, et dans son panier, il y avait une petite carcasse avec des box offertes. Donc elle vous en a fait gagner, vous, en concours sous sa vidéo. Et moi j'ai eu le petit privilège, hein, on va pas se mentir, de recevoir ma petite box moi aussi. Donc là, j'ai pas encore reçu, hein. Je viens juste de consulter le mail et de me rendre compte qu'en fait, non seulement j'ai une box, mais en fait j'ai carrément 5 repas inclus, gratuits, genre j'ai vraiment rien à payer. Je pensais que voilà, j'aurais soit 3 repas pour ma semaine, comme c'était le cas pour elle je crois dans les box qu'elle avait commandé, soit j'aurais à rajouter des frais de port ou je ne sais quoi, mais là vraiment, je confirme, hein, et c'est assez ouf quand même, c'est que j'ai 5 repas, tout frais payés. Ça m'arrange bien parce qu'on arrive sur la fin de mes courses et que du coup ça va me permettre clairement de décaler mon plein de courses de potentiellement 5 jours. En tout cas, financièrement parlant, c'est vraiment top. Donc voilà, moi je suis ravie de toute façon de tester le programme. Je vais vous donner ma première impression, si je puis dire, déjà qui est forcément induite par la vidéo qu'a proposée Amandine. Voilà, j'ai mon petit avis forcément. Suite à tout ce qu'elle nous a raconté, cette femme, et je vais rajouter mon petit grain de sel. Franchement, ça fait un peu la meuf qui titille parce qu'elle a eu sa box gratuite, mais voilà, je suis là pour vous donner mon avis franc et sincère. Quand j'ai voulu choisir les 5 repas du coup qui m'étaient offerts pour la semaine, j'ai quand même été facilement bloquée parce que moi j'aime pas la viande, pas très fan de ça, et j'avais pas forcément envie de commander 5 repas avec de la viande dedans. Et dès qu'on sélectionne un peu les recettes végétariennes, on est facilement bloqué par les allergies chez nous, donc que ce soit en termes de légumineuses ou bien d'oléagineux qui rajoutent un peu partout. J'ai l'impression que c'est systématique. Dès que tu veux une recette végétarienne, tu claques des amandes partout, tu claques des lentilles corail ou des petits pois ou des machins. Enfin, j'ai l'impression qu'on est toujours sur le même principe. Donc c'est pour ça que moi je suis facilement coincée avec ce genre de sketch. À part quand je cuisine maison effectivement et que je fais nos propres trucs, j'arrive pas à manger végétarien, enfin moi si, mais Loulou en l'occurrence a du mal à manger végétarien quand ce sont des recettes proposées, toutes faites, machin. Bref, voilà mon petit disclaimer du début de cette vidéo. Ce que j'ai trouvé cool sur leur petit site d'ailleurs, en même temps que j'ai choisi mes recettes, c'est que j'avais déjà accès à toutes les recettes qu'ils ont proposées jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, même celles que j'ai pas choisies, j'ai quand même une liste de recettes. Par exemple, s'il y a 3 semaines, il y avait un truc super cool qui m'aurait vachement plu, mais comme je connaissais pas encore le truc, j'étais pas de la partaille. Voilà, là je peux quand même accéder à la recette et aller chercher du coup mes petits ingrédients moi-même. Je trouve ça très très cool parce que ça fait comme un livre de cuisine en ligne, comme un e-book et tout, que tu vas payer une blinde ailleurs. Et là moi j'ai toujours rien déboursé, on est d'accord, hein, et j'ai tout ça à disposition, donc c'est quand même vachement cool. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction. Ça fait quand même une sacrée introduction, mais vous avez l'habitude par ici. On va se retrouver d'ici quelques jours quand j'aurai reçu mon petit colis. Je vous retrouve en bas les enfants avec ce magnifique plan du gros carton qui vient d'arriver ce midi. C'est le jour J, j'ai reçu mon colis HelloFresh. Donc pour le détail, vous le connaissez si vous avez regardé la vidéo précédente d'Amandine. Voilà à quoi ça ressemble. Comme elle vous le précisait, en fait ils font des sachets spéciaux pour un repas. Vous n'avez pas un sachet avec tous les légumes, et, je sais pas, tout le frais, machin. C'est vraiment juste un repas, un sachet. Donc c'est plutôt pas mal pour s'organiser, pour s'y retrouver. Surtout que suivez-moi. Hop, voici l'état de mon frigo actuellement. Autant vous dire que j'attendais avec impatience ce petit carton, n'est-ce pas? Ça me permet vraiment, financièrement, si je vais pas vous mentir, c'est très intéressant parce que ça me permet de décaler mon drive de course de au moins 5-6 jours. Je vais refaire un petit peu mes menus, mais voilà, comme j'ai 5 repas qui m'attendent et qu'il y en a que je vais manger toute seule parce que Loulou est pas intéressée, enfin bref, à mon avis, on est plutôt pas mal sur le menu de la semaine.
Donc voilà, ça c'est le frigo avant. Et voilà le frigo après. Donc je me suis pas pris la tête du tout, j'ai tout claqué comme ça. Ça va m'être plutôt très très pratique pour l'instant. Après je vais pas vous mentir, je vais quand même jeter un petit coup d'œil parce que je vois certains légumes qui vont peut-être faire la gueule plus vite que d'autres. Donc je vais m'organiser comme ça pour les petits repas. Au sujet des menus, je vous montre rapidement ce qui nous attend. Des gnocchis aux champignons, des pommes, un chausson aux pommes et au camembert. Donc ça par exemple, typiquement, le loup il est pas intéressé. Je vais me faire ça à midi ou peut-être ce week-end. Toute seule, enfin on verra. Du saumon avec des patates et des courgettes, très bien, dommage qu'il y ait des courgettes en ce moment, mais pourquoi pas. Du cordon bleu, ça c'est avec de la purée en plus, c'est chouette. Et des tacos de poulet au paprika, très très cool. Donc bah, en général je vous l'avais montré, hein, menu familial, menu rapide, mais il y a des choses qui sont à consommer je crois dans les 3 jours, donc comme je vous disais c'est un petit peu ça qui va décider du menu des jours suivants. Enfin voilà, on va faire en fonction de ce qui se détériore le plus vite. Et puis bah, je vais vous emmener chaque soir avec moi, vite fait, on va faire les recettes ensemble, on va surtout débriefer sur ce qu'on en pense, est-ce que c'était facile à faire et est-ce que c'était bon surtout. C'est plus ça qui nous intéresse plutôt que de savoir comment on fait une purée. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi. On attaque ce midi par la première recette que donc je vais faire pour moi toute seule parce que Loulou quand il l'a vu, il a dit non merci. Je suis un peu déçue, je vais pas vous mentir, parce que normalement les champignons c'est notre nouvelle vie. Moi je suis au taquet, j'en mets partout, mais lui pour l'instant c'est petit à petit. Bon c'est vrai que je peux pas demander à tout le monde d'être tout feu tout flamme comme moi, c'est pas possible. Donc bah, c'est pas grave, il y en aura plus pour moi. Donc j'ai déballé les petits ingrédients, je vous montre. Il y a évidemment de la sauge puisque c'est l'accompagnement, enfin c'est la sauce de cette recette. Il y a un petit poireau qui fait franchement la gueule, hein. Je vous montre un peu le vert. Alors dans la recette, il faut utiliser que le blanc, certes, mais moi je garde toujours le vert pour faire une soupe à côté pour un repas d'après, tu vois, rien ne se perd, hein, tout se conserve. Donc là, bon, bah, ce sera pas le cas, mais c'est un peu dommage, je trouve. Les graines de courge, le fromage, bien sûr, c'est du pecorino. Des gnocchis, et je trouve que là ils se sont pas moqués de nous du tout parce que franchement c'est un emballage de 500 grammes pour 3 portions adultes, donc ouais c'est cool. Et puis des petits champignons, on adore, et un citron j'imagine pour la sauce aussi. J'ai rajouté par moi-même de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un morceau de beurre qui me restait. Ça me fait penser à Amandine, ce qu'elle vous a raconté sur sa vidéo à elle. C'est vrai que dans les ingrédients qu'on nous demande de rajouter nous-mêmes, il y a davantage de trucs que chez Kitok. Donc par exemple là il fallait avoir du beurre, bon en même temps bon, chez moi il y en a toujours, c'est juste qu'aujourd'hui il y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours. On attaque avec les étapes les enfants. Au niveau des préparatifs, voilà où j'en suis. Bon bah déjà j'ai découpé les légumes finement, on va dire, j'ai fait des lamelles de champignons et des lamelles de poireaux et j'ai attaqué le beurre de sauge. Donc effectivement je pense que j'avais peut-être pas assez de beurre, je sais pas si c'est censé avoir cette consistance ou s'il fallait hacher un peu plus finement. Ils disent ciseler, bon c'est peut-être un peu pas assez fin, mais c'est pas grave. Donc là-dedans, dans ce beurre de sauge, si vous avez envie de tenter l'expérience, franchement moi je suis assez contente parce que, enfin j'ai pas encore goûté, hein, mais déjà les odeurs qui ressortent de tout ça, ça me plaît beaucoup. Et puis clairement ce sont des sauces que je pense jamais à faire. Enfin moi je fais un curry, je fais ouais, une sauce paprika avec du lait de coco, des trucs comme ça, mais pas du tout des trucs au beurre déjà, tout simplement. Donc voilà, à garder en tête. Du coup là-dedans il y a du beurre, il y a 2 cuillères à soupe de beurre, de la sauge ciselée on va dire, et puis la moitié d'un citron zesté. Voilà, j'ai fait comme ça, je suis contente parce que du coup il va me rester ce citron là pour faire les bah, les fameux, attendez, bougez pas, les biscuits de la semaine, n'est-ce pas. Et à côté de ça, j'ai mis les graines de courge à sauter, j'allais dire à, comment on dit, à poêler. Donc ça se fait à feu vif bien sûr, et dès que ça commence à sauter c'est que c'est bon. Et puis j'ai mis une casserole d'eau à bouillir pour mettre les gnocchis par la suite. J'essaie de vous filmer les gnocchis avant que ce soit le drame, mais voilà, je pense qu'ils sont très bientôt prêts. Et dans cette poêle là finalement j'ai mis donc la moitié du beurre de sauge, un petit filet d'huile d'olive dans le fond, donc c'est pour ça que c'est pas si grave s'il manque un petit peu de beurre. J'ai mis les poivrons et les poireaux et les champignons à réduire, donc ça c'est cool, ça a l'air de bien prendre. Je vais égoutter les gnocchis et puis les ajouter à la poêle pour essayer de les faire griller un petit peu, et après on va passer à l'assaisonnement bien sûr. Bon voilà ce que ça donne quand j'ai rajouté les gnocchis, vous voyez que là ça commence à colorer un petit peu, c'est plus sympa je trouve au goût, hein, de faire poêler un petit peu les gnocchis après cuisson, ça donne un peu de texture sous la langue, n'est-ce pas. Je rajoute du sel. J'ai mis aussi un peu de jus, du citron finalement, j'ai pas utilisé que les zestes, j'ai mis du jus.
et hop, du poivre. C'est pas évident de le faire à une seule main, on va essayer de pas trop en mettre. Si ça tenait qu'à moi, je rajouterais un filet de crème soja, hein, mais comme le frigo est vide, ben j'en ai plus, donc on va faire tout comme ils disent, c'est pas grave. Et voilà, plus je vois ça et plus je me dis que concrètement ça aurait pu vachement plaire à Loulou. C'est dommage que qu'il se soit arrêté juste à l'intitulé, mais en tout cas moi ça va bien me plaire et effectivement ça va me faire largement 3 repas, donc bien économique aussi. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est servi. Bah je suis trop contente. Visuellement déjà j'ai l'impression d'être au resto, et en ce moment ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Non, franchement, trop cool. C'est rare que je fasse des jolies assiettes, surtout avec des ingrédients comme ça, genre les gnocchis, des poireaux, des champignons. En général, ça fait surtout une bouillie. Mais là, c'est vrai qu'avec les zestes de citron, les graines de courge, le pecorino par-dessus, enfin voilà, je suis très contente. Pour le goût, bah, il faudra patienter jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je vous ferai un bilan complet, comme d'habitude, hein, y a plein de repas que je vais manger avec Loulou, donc je vais pas me filmer à table avec lui et tout, je préfère vous en parler à la fin de cette vidéo. Je vous retrouve ce soir avec la première recette qu'on va faire pour tous les deux. Il s'agit du saumon courgette et grenaille rôti. J'ai choisi celle-ci parce que c'était à consommer dans les 3 jours, et c'est vrai que le saumon, il tire un peu la tronche. Alors comme le disait Amandine la dernière fois, ils ont rajouté une poche de glace dans le colis, donc très bien, mais c'est vrai que je préfère le cuisiner en premier. Je suis un peu déçue, hein, je commence tout de suite par ce qui ne va pas. À la base il y avait du poireau dans cette recette, et il y a un petit mot ici, je sais pas si vous pouvez le voir, en raison de la météo hivernale les légumes ne sont pas tous disponibles actuellement, le poireau dans cette recette est donc remplacé par de la courgette. J'avoue, je comprends pas trop l'argument, parce que on parle de saison, j'imagine, avec la météo hivernale, et on claque de la courgette à la place du poireau en plein mois de février. Je suis pas au top, en sachant qu'il y a déjà une petite salade de concombre en même temps. Enfin bref, je reste un peu perplexe. Je vous présente quand même le contenu de ce sachet du coup pour cette recette. On a donc de l'aneth et de la ciboulette, le concombre suremballé comme ça, on a une gousse d'ail et la noix de muscade qu'on va pas utiliser, nous vous savez pourquoi, le saumon comme je vous disais, des pavés de saumon ASC décongelés avec peau sans arête. Comme je vous disais, je trouve qu'ils ont pas l'air en très très grande forme, je trouve que c'est pas des énormes morceaux non plus, il y a quand même 200 grammes, la courgette, le citron, ça c'est cool. De la crème fraîche épaisse, ça c'est un bon point parce qu'encore une fois c'est de la marque HelloFresh, je sais pas s'ils développent leurs propres produits, mais ça a l'air. C'est d'origine France, 30% de matière grasse, enfin bref, ça a l'air plutôt chouette. Je suis contente de la tester en tout cas. Les câpres qu'on va pas utiliser parce que c'est vraiment pas mon délire. Et les pommes de terre grenaille, ça c'est vraiment très très cool. Donc encore une fois, un panier bien garni, je trouve, pour un repas du soir. Franchement, il y a largement de quoi faire. Je me demande si je vais pas mettre de côté une petite part, notamment avec les pommes de terre et la courgette, pour Emma. Comme ça, ça fera un petit pot en plus. C'est toujours ça de fait, hein. Donc voilà, c'est parti pour la recette. Donc, première étape, j'ai lancé les légumes et les patates. Donc je les ai coupés en 4. Oui, je crois que c'est ça. Pour avoir des morceaux qui cuisent un petit peu plus vite. La première étape, c'est de les mettre dans de l'eau bouillante à peu près 8 minutes. Et ensuite, on va enfourner pour faire rôtir tout ça. Et pareil pour les courgettes. Donc ils disent de faire une fondue de courgettes avec du beurre. Bon voilà, j'ai fini le beurre tout à l'heure, ce midi, avec les poireaux. Donc là, j'ai simplement mis de l'huile d'olive. J'ai mis l'ail tout de suite, la gousse d'ail, pas entière, parce que j'en ai gardé un petit peu pour rajouter sur les pommes de terre dans le four. C'est aussi ici que vous mettez les câpres, la noix de muscade, mais ce sera pas mon cas. Et puis donc, je vais attendre un petit peu que ça colore, et après, je mettrai la fameuse crème fraîche. Et ça partira au four aussi, ensuite je vous montrerai comme ça passe au four. Dernière étape, c'est la cuisson au four. Donc ça c'est vraiment bien pratique parce que je vais pouvoir claquer tout ça dans le four et aller coucher Emma par exemple. Donc il y avait 20 minutes de cuisson en plus pour les pommes de terre après leur cuisson à l'eau, je veux dire 20 minutes au four très exactement. Ça fait 10 minutes déjà qu'elles y sont, on voit qu'elles commencent à se friper. J'adore, j'aime tellement les légumes rôtis, j'allais dire, mais les patates aussi, c'est trop bon. J'ai rajouté les courgettes, du coup, à mi-cuisson pour les pommes de terre, et le saumon. À la base, j'avais dit, je sale pas tout de suite, comme ça, je pourrais mettre une partie pour Emma. Mais sauf que j'ai pu penser qu'il y avait la crème fraîche, et qu'il est hors de question qu'elle mange ça. Donc, foutu pour foutu, j'ai tout salé, j'ai remis une dose de poivre d'adulte, j'ai envie de dire, parce que j'avais eu la main un peu légère pour le cas où elle mangerait sa part. Donc voilà, maintenant il y a pas, ce sera juste pour nous deux, ce sera très très bien, je pense qu'on va se régaler. Et donc ça part au four, là il reste à peu près 10 minutes, je vais surveiller hein, parce que peut-être que les courgettes elles vont pas supporter autant de cuisson au four, elles sont presque prêtes là en fait. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est sorti du four. C'est hyper appétissant, je trouve que voilà, les cuissons comme ça au four rôti, c'est magique.
Donc moi j'ai trop faim, là ça va être à mon avis excellent, mais comme je vous disais, on s'en reparle en fin de vidéo. A priori, je trouve que c'est, encore une fois, que c'est hyper généreux en quantité, en portions, même en visuel, quoi. Ça donne hyper envie d'être mangé, alors c'est pas non plus la recette la plus originale du monde, surtout quand tu retires les trucs un peu originaux comme les câpres ou l'aneth, que j'ai pas mis non plus dans la salade de crudité, parce que c'est pas trop notre truc. Mais bon, bah voilà, on a un peu suivi nos goûts habituels, donc ça change pas non plus des masses de ce qu'on mange tous les jours, mais c'est quand même chouette, je trouve. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir pensé à la petite salade de crudité, parce que pour équilibrer son repas, d'avoir des légumes crus et tout, c'est vraiment chouette. J'aurais juste préféré que ce soit pas des concombres, ni des courgettes dans le plat principal. Mais bon, voilà, j'ai été un peu abrupte tout à l'heure, je pense. Si vous comprenez un peu mieux que moi cette histoire de météo hivernale, n'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit mot sous cette vidéo. Peut-être que je comprends mal le truc, peut-être que voilà, soit il a fait trop chaud cet hiver et du coup il n'y avait pas de poireaux. Enfin bon, j'ai un peu du mal à suivre le truc parce que dans l'autre set, j'en avais justement des poireaux, mais voilà, peut-être que j'ai mal compris et qu'il y a quelque chose à éclaircir. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Et nous, on file manger. Je vous retrouve demain pour la prochaine recette. Hello la compagnie, je vous retrouve ce soir avec la recette du jour. Ce sera les tacos de poulet croustillants au paprika, servis avec le coleslaw et le chutney de mangue. Donc ça, c'est assez cool. Ça change pas non plus des masses de ce qu'on mange d'habitude à la maison. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des wraps avec du poulet et des poivrons surgelés, mais visiblement là c'est pareil, c'est toujours... Le poivron est de retour, hein, on n'y pense pas assez. Donc au niveau des ingrédients, le poulet est déjà coupé en dés, j'ai envie de dire, en gros cubes en tout cas. On a du fromage frais de la marque Campagne de France, qui a l'air plutôt cool. Il y a du paprika et du chutney de mangue. Je suis presque un peu déçue de ne pas le faire moi-même, tu vois. Ça aurait été plutôt cool d'apprendre à faire ce genre de truc. Le poivron, comme je vous disais, et puis un oignon rouge. Les wraps de la marque HelloFresh, ils sont assez petits. C'est plutôt chouette, je pense, pour la présentation. De la chapelure, ça, j'ai pas trop l'habitude au niveau des ingrédients, c'est de la farine de blé. Et puis le fameux coleslaw. Je vais pas vous mentir, d'habitude, quand c'est servi dans les brasseries, c'est typiquement le genre de truc que je mets de côté et que je consomme pas. Mais j'avoue que j'entends de plus en plus parler du chou. J'ai l'impression que tout le monde mange ça cru, en salade et tout, et que je passe à côté de quelque chose. Donc clairement, à mon avis, Loulou, il va me dire non. Mais moi, je vais essayer de tenter le coup, alors pas forcément dans le wrap, mais à côté en salade, comme hier avec la salade de concombre. J'ai bien aimé le fait d'avoir une petite entrée, tu vois, ou un truc à manger en plus. Donc je sais pas si nos wraps vont être très très garnis. C'est vrai que si j'avais un frigo un peu plus plein, j'aurais rajouté de la salade. Mais bon, ce sera pas le cas. Donc si on se contente des poivrons, des oignons et du poulet, on verra ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, je vais servir ça à côté. Et c'est parti. Bon, au niveau des préparations, ce soir, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est cool. C'est une recette très rapide à faire, à garder en tête pour les soirs de folie douce, n'est-ce pas? J'ai juste coupé les poivrons et l'oignon rouge en fines lamelles. J'ai préparé la sauce avec le chutney de mangue. J'ai juste rajouté du sel, du poivre et un petit peu de fromage blanc. En fait, le fromage blanc, je l'ai divisé en trois. Un petit peu avec la mangue, un petit peu avec le poulet et le paprika et la chapelure, n'est-ce pas? Et puis, du coup, j'ai fait la petite salade de choux avec les carottes, le fromage blanc, sel, poivre, vinaigre, balsamique et puis un petit peu d'huile d'olive. Après, ils vous disent, si vous voulez, d'allumer le four et de mettre vos wraps dans du papier d'alu pour avoir une cuisson homogène, n'est-ce pas? Moi, je vais juste les réchauffer au micro-ondes, on va pas se prendre la tête, on va pas allumer le four pour ça. Et puis, au niveau de la cuisson, je vais faire revenir les poivrons et les oignons dans un fond d'huile d'olive. Parce que sinon, je trouve que ça fait beaucoup de cru, en fait. Là, c'est vrai que dans leur recette à eux, ils proposent de le mettre juste comme ça, cru, dans le wrap. Mais sincèrement, j'ai déjà la salade et tout. Je préfère avoir un petit peu de chaud quand même avec ces légumes-là. Et puis, bien sûr, on fait revenir le poulet pané dans de l'huile de cuisson, quoi. Je sais plus ce qu'ils proposent, de l'huile de tournesol, certainement. Voilà, donc c'est vraiment juste ce qu'il y a à faire cuire. Et encore, je vous dis, le poivron, c'est même pas nécessaire. Au niveau de la cuisson, voilà ce que ça donne. C'est hyper simple et aussi très rapide, comme tout le reste de la recette. Donc voilà, on vous conseille évidemment de mettre un petit sopalin sur le côté pour éponger l'huile de cuisson. J'ai utilisé un sopalin réutilisable et ça marche très très bien. Et puis les oignons et les poivrons ont bien coloré, ils ont une texture un peu fondante, moi c'est comme ça que je les adore. Et j'ai pas fait l'erreur aujourd'hui, pardon pour la buée, j'ai pas fait l'erreur, j'ai pas mis de sel, j'ai juste rajouté un peu de paprika. Mais j'ai pas mis de sel, comme ça je vais pouvoir mettre de côté une part pour Emma pour demain.
Ça, c'est top. Et voilà ce que ça donne pour ce soir. C'est pas forcément le repas le plus appétissant parce que je peux pas vous dresser d'assiette quand on mange des wraps comme ça ou des... Je sais pas comment ça s'appelle. Des tortillas, je crois. Des faritas. On fait comme dans la pub, c'est-à-dire qu'on met tout au milieu de la table et chacun se sert. En off-camera, vous l'aurez compris, j'ai juste rajouté un bol d'emmental parce que, bah, franchement, manger ça sans fromage, quelle tristesse. Mais voilà, sinon, il y a tout qui me plaît. J'ai hâte de goûter le petit truc à la mangue. Et de même, les nuggets, là, ça a l'air vraiment sympa. Donc, bah, on débrief de tout ça en fin de vidéo. Bonne soirée! On se retrouve pour la dernière recette du soir, les enfants. Je vous retrouverai demain pour clôturer cette vidéo avec une recette spéciale fromage. En attendant, aujourd'hui, le programme, c'est un cordon bleu maison, de la purée de pommes de terre au thym et une salade de concombre. Donc, au niveau des ingrédients, bah, il y a du poulet avec du jambon qui est cuit, décoiné, dégraissé, fumé au bois de hêtre, très exactement. Il y a un petit peu d'emmental râpé, mais je vais pas vous mentir, je pense que je vais en rajouter. De la chapelure, je pense que c'est la même que la dernière fois pour les tacos, n'est-ce pas? La crème fraîche, il y a une échalote pour mettre avec le concombre, de l'ail, du thym et puis les fameuses pommes de terre. Donc voilà ce que ça donne le programme de ce soir. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. En temps normal, s'il y avait eu un frigo plein, j'aurais certainement fait genre des croque-monsieur ou une omelette ou bien une soupe. Enfin voilà, un truc qui va très très vite. Donc j'espère que cette recette va être aussi rapide que celle d'hier. Ça m'arrangerait bien parce que franchement j'ai faim et je suis claquée. Pour la préparation, finalement c'est pas très très compliqué. En même temps, des cordons bleus, j'en avais déjà fait maison. Je crois que c'était dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Je vous la mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Et c'est vrai que depuis on n'en achète plus d'étouffés. C'est pas pour autant qu'on les fait très régulièrement. Donc c'est vrai que ça va un peu plus nous changer que les tacos d'hier par exemple. C'est pas vraiment rentré dans nos habitudes, même si on a arrêté d'en acheter des industriels. Donc la purée, bah, bien simple, hein. J'ai épluché les pommes de terre et j'ai coupé en 4, on va dire, pour que ça cuise à l'eau tout simplement. Et la viande, donc j'ai aplati les escalopes. Je m'occupe du four en même temps. J'ai aplati les escalopes, j'ai mis une tranche de jambon, le fromage à l'intérieur. Et comme je vous le disais, bah, j'ai doublé les quantités de fromage parce qu'on n'est pas des bêtes. Et voilà, bah, au niveau de la chapelure, bah, tout simplement, j'ai utilisé un pinceau. Bougez pas. Un pinceau comme ça à pâtisserie pour étaler la crème sur le poulet. Et puis derrière, j'ai fait tremper dans la chapelure. Je pense que c'est pas mal. Enfin, c'est une astuce que je vais garder, je pense... d'utiliser de la crème plutôt qu'un œuf, de l'appliquer comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Et donc je le fais cuire un tout petit peu, enfin je le retourne on va dire dans une poêle bien chaude et après ça passera au four pour terminer la cuisson. Voilà voilà, on se retrouve juste après pour la purée et la salade de concombre. Alors voilà, la viande est au four, les patates sont prêtes, elles sont franchement hyper hyper fondantes. J'ai juste rajouté le reste de crème fraîche que j'avais, eux ils conseillent un peu de beurre, bon bah vous l'avez vu, il n'y en a plus. Et puis donc j'ai salé, poivré et j'ai rajouté le sachet de thym qu'il y avait avec la commande. Donc ça, je vais l'écraser tout de suite avec ce type d'ustensile que vous connaissez forcément. C'est vrai que je préfère les écraser de pommes de terre plutôt qu'un truc hyper lisse, hyper mixé. Donc voilà, ça va être très très bien. Je m'en sers aussi souvent maintenant pour les plats d'Emma. Et puis la petite salade de concombre, j'ai pas fait comme ils ont dit. Normalement c'était avec des échalotes, mais c'est vrai que les échalotes... Je les préfère cuites dans un peu d'huile d'olive. J'aime pas trop dans les salades les manger crues comme les oignons. De toute façon, c'est un peu le même soussaille chez moi. Donc j'ai rajouté le reste de ciboulette d'avant-hier, je crois. Et puis le fond de chapelure qui me restait aussi au fond de la poêle, tout simplement. Je me suis dit, ça ferait un petit peu de croquant, n'est-ce pas, dans cette petite salade. Mais encore une fois, je trouve que c'est une très bonne idée, même si c'est du concombre, je le redis. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir une assiette de crudité à côté. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Je me suis un peu kiffée sur la présentation, hein. N'ayons pas peur des words. Au niveau de la viande, je vais pas vous mentir, je suis un peu en surcuisson, mais j'ai tellement peur de passer un coup de couteau et de tomber sur du poulet pas cuit au milieu que franchement, on est plus sur 25 minutes que 15, c'est ça que je veux dire. Et puis voilà, avec la petite salade de concombre, franchement, ça me donne bien envie. C'est chouette et c'était pas si compliqué, enfin pas si long surtout. Je savais bien que c'était pas compliqué, mais c'est pas long à faire. C'est surtout le four et les casseroles qui travaillent tout seuls, donc ça me va bien. Voilà ce que ça donne pour ce soir, quoi. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est le dernier jour, les enfants, la dernière recette, et je vous retrouve avec cette magnifique lumière du jour. C'est pas un peu appréciable, quand même. Vous l'aurez compris, on va cuisiner pour moi ce midi. Il s'agit de cette recette merveilleuse de chaussons d'hiver, pommes et camembert, avec une salade et des oignons confits. Moi, je comprends pas pourquoi Loulou, il m'a dit non, hein. C'est pas la meilleure recette de la semaine, s'il vous plaît, quoi.
Franchement, il y a tout ce qui me plaît. Donc, au niveau des ingrédients, une pâte feuilletée, bio s'il vous plaît, un oignon et deux pommes, il y a de la salade, parce que c'est important, n'est-ce pas? Donc, c'est un mélange de roquettes et de mâche. Il y a du camembert, en veux-tu, en voilà. Franchement, il y a largement de quoi faire. Des graines de courge et de tournesol, et puis du thym, comme hier soir. Donc franchement, canon. J'ai une petite pression au niveau de la... C'est pour ça que je me suis entraînée hier soir avec ma petite purée. J'ai une petite pression sur la présentation, vu que le boule-boule d'Amandine, il s'en est pris à moi, hein, n'ayons pas peur des words, dans la dernière vidéo d'Amandine, justement. Donc là, on va essayer de faire un truc sympa. En tout cas, moi, je me lèche les babines. Franchement, je suis trop contente, et je vais en avoir deux fois plus pour moi, donc franchement, tout bénef. C'est parti. On se retrouve de ce côté-là, et au niveau des préparations, c'est très très rapide. Encore un bon point, j'ai commencé par faire griller les petites graines, donc dans la grande poêle au fond, je les ai fait sauter à feu vif, voilà, jusqu'au moment où justement ça saute et ça veut dire que c'est grillé. J'ai mis de côté et j'ai rajouté les quartiers de pommes. J'ai fait revenir ça dans un peu d'huile parce que malheureusement je n'ai plus de beurre, vous le savez. J'ai rajouté le thym, ça a l'air d'avoir bien coloré quand même, donc c'est pas mal. Et puis l'oignon, pareil, un fond d'huile d'olive, les petites lamelles. Je les fais revenir, j'ai rajouté du vinaigre balsamique et un peu de sucre roux, une cuillère à soupe, pour que ça caramélise un peu. Je pense que ça va être très très bon. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Au final, on va déjà passer au montage du chausson. Donc très bien. Bon, je vous montre ce que ça donne à mi-parcours. J'ai essayé de vous en garder une pas encore pliée. On voit tout de suite que le montage ici, c'est pas exceptionnel, hein. Je vais essayer de rattraper ça après. Donc j'ai juste mis un fond de moutarde, j'ai rajouté les oignons, le camembert, les pommes et un reste d'oignon, voilà, en plusieurs couches. Voilà, finalement façon lasagne presque. Mais franchement là c'est plutôt sur le pliage où bah, j'ai essayé de faire un truc un peu rectangulaire, un peu joli. En fait ça fait des trous quoi. Je pense que là il y a trop de garniture et que la pâte était trop étirée. Tiens, ça me fait penser que c'est une pâte à la farine complète et ça c'est cool. Autant les pâtes brisées, très simple à faire soi-même, autant les pâtes feuilletées, pour l'instant j'ai lâché la corde, hein. Clairement, malgré le robot et tout, c'est pas mon truc quoi. Donc je continue d'en acheter des toutes faites et là je suis contente de voir que ça existe aussi à la farine complète justement. Et voilà ce que ça donne après la cuisson les enfants. Je peux pas vous expliquer les odeurs mais ça me donne trop envie. J'ai vraiment trop hâte de manger, je crois que c'est la recette qui me plaît le plus avant dégustation de toute cette semaine en tout cas. Bon, pour les petits changements, j'ai rajouté un peu de concombre d'hier soir parce que il fallait les terminer comme ils sont assaisonnés et tout. Je veux pas que ça traîne trop longtemps au frigo. La petite salade avec un peu de vinaigrette et les graines de courge. Et puis le chausson, alors effectivement la présentation c'est compliqué quoi. Il était beau à la sortie du four, mais comme j'ai essayé de faire un truc comme sur leurs photos en l'ouvrant pour que ça dégueule et tout, bon laisse tomber, ça ne donne plus grand chose. Mais... ben, ça a l'air hyper gourmand, appétissant, tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, le thème de la semaine. Tout n'est pas extraordinaire, c'est pas des recettes de fou auxquelles j'aurais jamais pensé, machin. Mais à chaque fois, on en a pour son assiette. C'est vraiment très appétissant. Mais je ne vais pas conclure tout de suite. Je vais surtout manger et je vous reprends après pour vous donner mon avis sur toutes les recettes et puis conclure cette vidéo. Ben voilà les enfants, je vous ai retourné, si vous me permettez. Pour débriefer, comme je l'ai dit, des 5 recettes qu'on a testées ensemble aujourd'hui, enfin aujourd'hui, cette semaine en tout cas. La première, souvenez-vous, c'était les gnocchis avec la sauce aux champignons et au beurre de sauge. Alors c'était très chouette, hyper gourmand, comme je vous ai dit, il y en avait largement pour 3 assiettes. J'ai adoré la crème à la sauge. Alors c'est vrai que si moi je la refais, je pense que je mettrais plutôt une crème de soja ou une crème de quelque chose pour lier tout ça plutôt que du beurre, mais j'ai beaucoup aimé la sauge, j'en mets jamais dans mes plats et franchement ça vaut le coup. Pareil, les zestes de citron, j'en mets beaucoup en pâtisserie, mais dans les assiettes, pas forcément. Pourtant je fais souvent du poulet au citron par exemple, bref, j'y pense pas assez. Les graines de courge, pareil, c'était une très bonne... franchement, tout allait bien dans cette recette. C'était une première recette végétarienne, j'étais ravie, il y avait tout ce qu'il fallait pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le saumon. Ça, c'était beaucoup plus classique pour moi, que ce soit en termes d'ingrédients ou de cuisson. La cuisson du poisson au four, je la fais tout le temps. Les pommes de terre rôties, pareil. L'ail à gogo, pareil. J'ai été déçue, évidemment, de la courgette et du concombre qui manquait de goût, forcément, en plein mois de février. Mais ça reste un succès assuré, chez nous en tout cas. Je trouve que c'est une recette qui fonctionne pour adultes, mais aussi pour enfants, selon où en est la diversification chez vous. Donc vraiment pratique. Et c'était très bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Autre recette très bonne, très généreuse, gourmande, c'était les wraps, les tacos de poulet avec la sauce
le châtenay de mangue, j'étais un peu déçue de pas le faire moi-même. C'est vrai que ça aurait été le petit plus, je pense, parce que sinon ça reste très classique, pareil. C'est des choses qu'on fait régulièrement chez nous. Je vais peut-être essayer de me rencarder sur ce châtenay. Est-ce que c'est facile à faire? Moi, j'ai souvent en plus des morceaux de mangue que j'achète par kilo entier, soit chez Noz, soit ailleurs, en sachet congelé, je veux dire. Donc voilà, j'ai souvent de la mangue à la maison. J'aime pas forcément acheter des mangues à l'unité, mais j'en ai quand même. Donc ça aurait pu être cool de le faire soi-même. Vous me direz si vous savez faire ça et si vous avez une recette à me conseiller. Ensuite, on a fait les cordons bleus. Très très bon, pardon, à chaque fois que je vous mets ça, je pense que vous me voyez plus. Comme je vous disais, c'était hyper gourmand. La purée, de toute façon, depuis qu'Emma est dans nos vies, on en remange beaucoup. Le cordon bleu, j'avais déjà testé, mais je pense qu'on n'en fait pas assez. Donc ça nous a fait une petite piqûre de rappel. C'était très chouette. Je pense qu'on en refera plus souvent, j'espère en tout cas. Et puis dernière recette, le chausson. Parfait, franchement les enfants, c'était peut-être ma recette préférée de la semaine avec l'autre, les gnocchis aux champignons à la sauce, à la sauge là. Vraiment, les deux recettes végétariennes valaient le coup. Celle-là, c'est un peu plus repas de fête parce que forcément, tu te tapes une demi-pâte feuilletée toute seule le midi comme ça en semaine. Moi, si je fais ça, je passe plus les portes. Donc ça reste exceptionnel, surtout avec le fromage machin, voilà, on se fait plaisir, mais c'était tellement bon et franchement gros coup de cœur. Dommage que Loulou soit pas hyper intéressé par cette association, parce que sinon ça aurait pu faire un chouette repas du week-end, tu vois, quand on lâche un peu la corde. Mon avis global sur cette box, ce panier à cuisiner, bah c'est la même chose que pour Kitok. Je trouve que c'est top quand tu manques d'idées, quand t'as pas le temps le soir. Là tu vois par exemple, on savait exactement, même les soirs de flemme justement, on savait exactement ce qu'il y avait à manger et c'était très rapide à faire. À chaque fois c'était très facile. Ça a toujours été excellent, franchement il n'y a rien que j'ai mangé qui n'était pas bon. Et non seulement c'est bon, mais en plus c'est gourmand, c'est appétissant, enfin c'est généreux, voilà, c'est tout à fait la cuisine que j'aime. D'ailleurs c'est pour ça que les recettes, bah, c'est souvent des choses que je fais déjà à la maison, parce que bah, je connais nos goûts, hein, et c'est vraiment ce qu'on aime à la maison. Au niveau des points négatifs, comme je vous l'ai assez répété je pense dans cette vidéo, j'étais à chaque fois déçue de trouver des légumes... bah pas du tout de saison, et j'ai pas compris non plus les explications de la marque. Pour moi c'est essentiel aujourd'hui en tout cas de manger de saison. Qu'on mange bio et tout, très bien, c'est du plus, mais alors la saisonnalité c'est vraiment la base de la base. Et là ouais, franchement j'étais déçue, mais je pense que vous l'avez compris. Et puis aussi le manque de choix quand je pense que j'ai dû choisir parmi 15 recettes lorsque j'ai fait mon premier panier. Et forcément quand t'en as 5 à choisir, déjà 5 sur 15, quand il y a les allergies et le problème avec la viande, bah, déjà ça te retire quand même pas mal de sketch. Donc j'avais pas énormément de choix au final dans les possibilités qui m'étaient offertes, mais je garde en tête que tout ça c'était gratuit. Donc franchement c'est tout bénef, c'était génial. Merci Amandine, si je l'ai pas encore dit dans cette vidéo, je le fais chaleureusement. Franchement c'était une belle découverte. Je pense que je serais capable comme Kitok de repasser commande, mais uniquement si j'ai des codes promo, des trucs, parce que là clairement je mets pas 50 balles dans un panier comme ça pour une semaine. Vous le savez, je fais attention à mon budget et c'est pas possible tout simplement. C'est vrai que si ça me revient à 20 balles, je serais capable de retenter l'expérience. Voilà, je pense que vous savez tout les enfants, j'attends évidemment vos commentaires. On a passé un bon petit moment ensemble toute la semaine, hein. C'était parfois un peu pas évident de filmer le soir comme ça en famille, machin. Bon, j'espère que vous m'avez suivi et que c'était chouette à regarder aussi pour vous. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.